Salut! Aujourd'hui, nous allons faire des opérations en informatique. Nous allons utiliser l'invite des commandes de Windows afin d'exploiter la commande dispart. Ok, on va agir sur ce disque-là. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, moi, ce que je fais, je vais dire invite des commandes. Je tape IN. C'est bon, donc ça me fait ça. Je fais en tant qu'administrateur. Hop. Et puis là, on est dans le disque C, c'est-à-dire que dans le système 32 exactement, mais on va retourner à la racine en faisant CD anti-slash. Oups, il n'y a pas de ça. Et puis là, je suis là. Je peux faire par exemple dispart. Pour lancer dispart, il faut taper dispart. Et hop, on attend un petit peu. Et si vous voulez des informations sur dispart, vous tapez help. Ici, là, vous aurez plein d'informations sur dispart. Donc, je vais sortir d'ici pour enlever tout ça. En faisant CLS. Ok, maintenant je retourne pour dire disk part. Hop. Puis je vais dire que list disk. Ok, là je dis disk. Ce disk là, c'est le disque 0 et le disque 1. Le disque 0, c'est le disque C, le principal. Donc ne touchez pas, si ça contient tout le système de votre ordinateur. Si vous agissez là-dessus, c'est. Voilà, ça peut compromettre le bon fonctionnement de votre système. Donc moi je vais agir sur le disque 1, donc ce disque-là. Hop, on retourne à dispart. On va dire que qui doit sélectionner select pas X mais c disque 1. Hop, le disque 1 est maintenant sélectionné. Maintenant, si vous voulez par exemple dire que liste partition pour voir s'il y a des partitions là-dessus. Partition et hop, vous voyez que il y a qu'une seule partition. Bon, maintenant si je fais create